Et bonjour, donc nous voici cette semaine pour une petite présentation de ce fameux tour qui fait un petit peu parler en ce moment, c'est Surprise Change by Gustavo Rallet. Alors, on décide de faire une petite vidéo bah parce qu'on est depuis que je suis revenu moi de vacances, donc ça fait on est quel jour? On est mercredi, donc ça fait 2 jours déjà. Je suis revenu lundi. Je crois que j'ai jamais eu autant d'appels sur ce produit-là. Parce que voilà, les gens, ça se sent qu'ils veulent l'acheter parce qu'ils nous appellent. J'ai vu machin, est-ce que c'est bien? Mais bon, voilà, je sais qu'ils l'ont vu sur des forums, décrit, vu sur des vidéos où bon, ça a été un petit peu, on va dire, le tour, Peut-être des groupes secrets, voilà, peut-être ou des peut-être des groupes forums. secrets un petit peu massacrés, le tour, malheureusement. Ou alors ils en disent du mal, je sais Ouais. pas. Mais on sent qu'ils ont envie de l'acheter parce Ouais. que, mais qu'ils ont C'est. eu des réticences à ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont entendu. Donc voilà, donc du coup comme nous on n'est pas du tout du style à à aller voir tous ces trucs-là sur Virtual et sur tous les forums, on n'en a rien à foutre nous de tout ça. On n'a pas le temps. Voilà, du coup on n'a pas le temps, mais même c'est pas notre truc, donc du coup on sait pas. Donc je sais pas, on se demande pourquoi ils ont ce ressenti. Bref, Donc tu l'as bien du coup moi décortiqué. je l'ai ouvert. Je l'ai décortiqué, j'ai bien regardé la vidéo et ça fonctionne très très bien. Donc pour vous donc qui vous posez la question à chaque fois au lieu du coup vous aurez une réponse en vidéo. Je vais vous le montrer, je vais vous le montrer tel quel comme il a été fait dedans et ça fonctionne très bien. Alors je vais tout de suite je pense répondre aux gens qui disent ah oui mais le bruit. Parce que oui, on a un billet de banque qui va disparaître comme ça en faisant un schlack dans les mains. Eh bien, le bruit, c'est comme ceux qui. Je vais répondre à ta place, parce qu'il y en a plein qui veulent de la poudre Airburst pour que quand il y a une disparition, au moment où il y a la disparition avec une étincelle, ils aient un bang. Parce que la poudre Airburst, c'est la particularité, c'est d'avoir un bang en plus. C'est ça. Donc, ils recherchent du bruit pour faire un effet magique en plus. Eh bien, c'est comme la canne à apparition, la canne à Voilà, je vais disparition. répondre à C'est aussi. pareil, le bruit, c'est l'effet magique qui renforce le tour. Exactement, le bruit, c'est l'effet magique. C'est donc C'est pas gênant le bruit. voilà, c'est pas choquant. Voilà. Maintenant, vous avez un barilé, un truc qui disparaît, ça fait cric. Bon, ok, peut-être, mais Là, vu qu'on a les manches relevées et que exactement, le bruit de la disparition comme ça et l'apparition en Kinder. En plus, c'est quand même, enfin, il faut quand même imaginer que. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu un truc de fin, un billet de banque qui se transforme en un objet. Donc visuellement, c'est vraiment très très beau. Et donc pour répondre, donc pour finir à cette question, le bruit, pour moi personnellement, n'est absolument pas, mais du tout, gênant. Voilà, c'est, on arrive bien, on produit bien des cartes bicycle et on les fait claquer pour, je sais pas, comme ça, par fioriture. Le bruit, comme on dit, une canne apparition, quand elle apparaît, elle fait clac, quand ça disparaît, ça fait ring, et pourtant, voilà, c'est pas gênant. Donc là, pour moi, le bruit ne gêne en rien à ce truc-là, donc je vais vous le montrer, vous allez voir. Alors maintenant, à qui c'est destiné? Alors, bien évidemment, c'est pas du close-up, vous n'allez pas arriver, montrer un billet de banque, boum, produire un Kinder, et puis c'est terminé. Je pense que c'est effectivement dédié à des tours, ou soit. Présentation, tout ce qui est anniversaire enfant, parce que vous pouvez dégainer un truc, produire un Kinder, le poser, puis à la fin donner des Kinder aux enfants, ou en magie de scène, parce qu'on a parfois des tours où on a besoin des petits effets, hein, quand vous regardez Soma, par exemple, je cite Soma, parce que ça me fait penser à, enfin pas à ça du tout, mais quand il fait les sachets d'M&M's, voilà, c'est pourquoi des M&M's, ben ça va bien dans sa routine. Bref. Moi, je me vois bien au bout de table, au restaurant, le faire et donner un Oui, Kinder bah au après, bon, bien gamin. sûr, C'est il faisable, faut je faire veux le dire. change du Kinder, mais C'est oui, faisable de te c'est. mettre en bout de table et de le faire. Oui. Maintenant, enfin, moi, je pense que c'est plus effectivement enfant ou alors vraiment en spectacle. Après, réseaux sociaux, bien sûr, ça marcherait bien. Bref, tout ça pour vous dire que le tour, il est quand même extrêmement bien pensé. Le gimmick est très bon, c'est au niveau visuel du gimmick, moi je dis c'est parfait, et c'est très bien conçu. Allez, j'ai rajouté une petite boîte, je me suis préparé pour vous faire le tour, donc je vais vous le montrer dans la condition que je l'ai vu faire à l'intérieur. Bien sûr, moi je suis assis, donc c'est encore beaucoup plus simple pour moi, mais imaginez que la même chose debout, c'est possible si, bien sûr, j'avais préparé tout ça.
Donc l'idée va être la suivante. On peut arriver avec un porte-carte, son portefeuille, peu importe. On ouvre, on sort de l'intérieur un billet de banque. Tout ça, c'est posé. On vient récupérer donc ce billet de banque. Ce billet de banque, on le plie, on l'égalise bien, on le met dans les doigts et 1, 2, 3, boum, ça disparaît. Une fois que ça disparaît, ça devient un Kinder, un beau Kinder. Et ça, ben, on le prend, on le met à l'intérieur de la boîte. On continue sa routine et tout ça. Et puis à la fin, si on a envie de sortir des Kinder d'une boîte pour les donner aux enfants, on peut. Et c'est très bien. Donc pour les gens, ça sera la même chose. On n'est pas obligé de prouver que c'est un vrai Kinder, tout ça. Même si c'est faisable de le faire, qui est un petit peu plus délicat. Mais voilà. Donc l'idée... Tu pouvais arriver aussi le billet ouvert. Alors, ouais, je peux arriver le billet ouvert. Ah, alors, oui. je vais mettre à la... Bon, ça, c'est plus compliqué. C'est vraiment... C'est plus du réseau social. Moi, j'avais pensé... Donc moi j'avais pensé le faire comme ça, c'est-à-dire je viens, je montre mon billet, je viens ici, ce billet je viens, je le plie, je le mets dans ce sens-là, et en fait je fais ça, et tout de suite je retire, et j'ai mon Kinder. Donc, ici. Donc il y a cette solution qui est là, donc du coup c'est pour ça que je l'ai un petit peu travaillé, parce que, je vous dis, avec tout ce qui s'est dit et tout, je me suis dit, avec pourquoi les gens disent ça, et finalement je trouve que ça fonctionne bien. En tour, donc où effectivement on peut arriver les mains vides. Alors si je le monte devant vous, donc vous avez vu que la disparition, donc en gros la disparition du bruit qu'on entend, c'est ça, c'est le billet qu'on vient plier, et quand on vient faire ça, boum, le billet disparaît à vue, on entend le schling. Voilà, une fois qu'on entend le schling, automatiquement, bon, c'est ça que les gens redoutent. Mais vous avez vu que c'est pas, là en le voyant et en plus en vous le disant, c'est pas gênant, ok. Alors si je vous le fais en version plus réseaux sociaux, à un moment on le voit, il montre les mains avec le billet, voilà, hop, donc on montre un billet de banque, les mains, on montre ça, donc ici on prend le billet, on le plie, on vient mettre ça, 1, 2, 3, boum, ça change, et puis là une fois que ça a changé, ça s'est transformé en Kinder. Voilà, donc je sais pas si vous voyez quelque chose d'ici, donc là vous vous rendez compte que je vous le fais plusieurs fois, je vous le fais exactement, on doit être à 60 cm de la caméra. Et bon, et je trouve que ça passe très très bien, et pour moi le bruit n'est pas gênant. Bien entendu, personne derrière. Voilà, oui, non, bien entendu, personne derrière. Alors, tu me disais dans la vidéo, les doigts, je sais pas, non, tu voyais quelque chose comme ça, on voyait là. Ouais, bah après c'est... Bref, je suis à 60 cm aussi. Hein. Donc bon, vous avez vu que l'effet au niveau visuel est quand même sympathique. Donc moi personnellement, je préfère arriver avec effectivement le billet dans le portefeuille, puisque on vient, le fait déjà d'arriver avec un portefeuille, de le sortir, de sortir son billet, de le poser, on voit bien que voilà, l'œuf peut pas être caché dans le billet. Voilà. Donc la version où effectivement on montre les mains vides, on plie le billet devant, bon, bien sûr que c'est joli aussi, mais ça je pense que c'est, j'ai pas dit que c'est 100% réseaux sociaux. Non, puisque effectivement, si on est en spectacle et que votre billet est déjà prêt, chargé, et on le prend et on vient montrer, c'est largement faisable. Mais on va dire ça pourrait être téléphoné. Alors que dans le portefeuille, franchement, c'est très très bien, il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc tout ça pour dire que, bah, avec tout ce que j'entends, bah, du coup, maintenant, vous pourrez vous faire votre propre idée en ayant vu... J'espère quelque chose qui vous aura convaincu. J'espère que je l'ai bien fait aussi pour vous montrer que voilà, c'est largement faisable et que c'est très joli. Enfin, franchement, c'est très très joli. Donc voilà. Le fait de vous avoir montré ça, peut-être que ça va vous aider à mieux choisir et à plus vous poser de questions sur ce tour-là. Moi, je pense qu'il faut donner à la fin un œuf. Donc on fait un choix. Oui, alors oui, alors, bien sûr. Alors moi je pense que c'est intéressant de le donner. Alors, parce que c'est un souvenir et on s'en rappelle. Le donner directement en ayant donc l'œuf comme ça. Donc on a notre œuf. Alors Gustave Oralier, lui, le présente comme ça et le met en main et en fait va faire après. Donc je te le passe pour le changer. C'est comme ça qu'il fait. Mais malheureusement, le problème c'est que si on réfléchit vraiment, il n'y a que cette solution. C'est si on a l'œuf comme ça et qu'effectivement, donc l'œuf qui est ici. Effectivement, je le range, je fais autre chose et je le redonne, c'est sûr que là, c'est facile. Maintenant, le faire en direct, je vous garantis que c'est quand même extrêmement téléphoné. D'ailleurs, lui-même, dans l'explication, quand il le fait, bon, c'est nul. J'avoue, c'est nul parce que déjà, ça se voit et en plus, il le fait très mal. Mais c'est quand même très dur, il faut quand même imaginer, sans trop en dire, qu'on a l'œuf. Il faut en prendre un autre, venir au bout d'un moment le montrer comme ça pour pouvoir faire un change, d'accord. Donc,
j'avoue que c'est pas l'idéal. Si maintenant vous êtes en condition assis, pourquoi pas. Si tu es à table, par exemple, au restaurant, regarde, tu fais apparaître, tu vas dans ta valise, tu prends une serviette, tu le poses dessus et tu dors. Par exemple, c'est effectivement comme quand on a un jeu de cartes qu'on cherche, on ouvre pour chercher son stylo et on vient poser, on en prend un autre. Donc là, oui. Une serviette de table, tu la mets dessus et tu le donnes, ça fait plus. Dans cette condition comme ça, oui, mais donc ça revient à déposer pour aller chercher un autre. Voilà. Maintenant, je pense pas que moi, ça soit utile pour ce tour-là de faire un change, puisque on s'en fout, on a quand même un billet de banque qui était fin, qui s'est transformé en quelque chose de volumineux, qu'on a posé et qu'ensuite on redonne. Même si on ne le donne pas, voilà, si je prends ce portefeuille, que je claque des doigts et que j'ai un Pinocchio, on s'en fout de ne pas donner le Pinocchio. Le change, il a réellement eu lieu, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, là, on a quand même eu un effet de papier qui s'est transformé en œuf quand même Kinder, où on voit quand même un sacré volume. Donc, c'est vrai que le contraste est beau. Voilà, c'est ça, c'est le contraste qui est beau. En œuf, c'est joli. C'est comme tous ces fameux tours, on a une boîte, boum, il y en a deux, puis on revient, il y en a une. Voilà, ça reste très joli. Donc là, j'avoue, avoir un change comme ça, c'est sympathique. Et je vous garantis que dans des situations au spectacle enfant, donc après, bien sûr, il faut amener sa propre histoire. Là, moi, j'ai rien inventé du tout, donc je sais même pas comment je pourrais l'amener. Mais celui qui veut ce tour-là pour faire un effet, je trouve que c'est extrêmement joli. Réseaux sociaux, n'en parlons pas, ça fonctionne à la perfection. Et tour de scène aussi. Voilà, tour de scène, je vous dis, il y a plein de trucs où on change des roses en foulard, des trucs, des billets de banque en carte à jouer. Là, pourquoi pas changer un billet de banque sur un œuf et après partir sur autre chose. Bref, peu importe. Voilà. Donc il faut imaginer une version de billet. De billets qui pourraient être. Imaginez l'effet d'un billet qui est signé, par exemple, vous le déposez, puis vous faites autre chose, puis vous le reprenez, vous le dépliez, et bam, ça se transforme en œuf Kinder. Vous posez l'œuf, d'un coup vous reprenez l'œuf, vous cassez l'œuf, dans l'œuf il y a l'objet, et dans l'objet il y a le billet. Enfin, on peut, ne serait-ce que comme ça, en quelques secondes, imaginer déjà une routine. Alors, ça peut être téléphoné, de ranger, de ressortir, mais l'effet magique au niveau du changement, il est là, et moi je trouve ça bien. Voilà, donc j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Donc ça, c'était une petite présentation de Surprise Change de Gustavo Rallet. Allez, à vous de jouer.